Salut à tous, on se retrouve pour la suite de l'affaire du vieux Marcel. Alors, on a fait la tour d'exploration de la ville. Maintenant, on va aller un peu achever le travail qui a été commencé. Je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a dans ce camion. Ça va, il n'est pas plein. Ah, les moutons sont là. Salut les moutons. Allez hop, c'est parti. C'est bien de se promener, mais maintenant il faut travailler un peu. C'est parti. Il me semblait bien qu'elle n'avait pas baissé là. On y va. Ben, j'espère que vous allez bien. On est parti sur une nouvelle aventure. On va essayer de reprendre cette ferme en main. Je ne sais pas si je vais faire beaucoup d'épisodes parce que j'ai entendu dire que Arsenic préparait une version 2. Donc je voudrais pas faire trop d'épisodes avant de devoir changer. Mais pour l'instant, je continue sur cette map, la V1. Ça va nous changer un peu de Stenwick. Que je continuerai quand même, Stenwick, je vais pas arrêter maintenant. Tout comme la carrière d'origine. Je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus régulier. Bientôt les vacances, donc maintenant comme ça va être les vacances, peut-être que je ne serai pas plus productif, mais on verra bien.
On voit que c'est du vieux matériel, ça ne tourne pas très fort. Maître inspecteur, pour voir où j'en suis quand même. 90. En tout cas, j'aime beaucoup cette map. Est-ce que je vais prendre tout? Eh bien non. Évidemment. Ancien matériel, c'est plus court que le moderne. Ah, ça va, ça prend. Ça manque d'huile. Allez, on va chercher le camion. Beau coucher de soleil là-bas derrière. Montgolfière. Et oui, c'est Montgolfière et pas un ovni. C'est bien l'effet d'ombre sur le sol. Allez, pas mieux faire. Si je recule, je verrai mieux. Voilà, les freins sont pas terribles, hein. On va les vider. Condition de trouver où est-ce qu'on vide. Les freins. Ça semble pas écraser les poules. C'est pas du maïs, c'est que t'as bidule. C'est du blé. Si je me trompe de silo déjà en commençant, ça va pas le faire, hein.
suppose que là c'est bon. J'espère en tout cas que ça a rempli. On doit avoir une belle vue là-haut. J'ai pas été par là hier. Alors, on va regarder un petit peu où est-ce qu'on en est. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Tout est en vert de toute façon, donc. Le 34, le 33, c'est quoi? C'est de l'orge ou de la patate? Ou du colza? Le 28, le 5, le 4. Avec tout ça, on voit pas bien les champs qui nous appartiennent vraiment. Mais voilà, deux cochons, un bovin seulement. Évidemment, il n'y a rien à manger. Bon, on va essayer de regarder autour. Alors, à ma droite, là, il y a un champ. On va essayer de trouver l'entrée. Évidemment, un véhicule qui ne tombe pas, c'est difficile.
s'arrêtera pas, celui-là. C'est ça. Fou. Non mais. Alors on voit rien. Ah, une voiture. Donc ça va faire ces gens-là se promener. Peut-être mettre l'intérieur pour mieux voir. Voilà. Évidemment, je suis pas venu du bon côté. Quand je connaîtrai mieux la map, ça ira mieux. Bah voyons. C'est pourtant vieille France, c'est pas vieille Angleterre, hein. Ils roulent tous à gauche ici. On voit rien dans cette machine. Bon, il n'y a pas de pancarte, donc celui-là, il nous appartient. Pas évident ces petits champs. Ah, il va falloir que je vide le camion en plus, puisque c'est de l'orge. Alors que j'ai commencé avec le blé.
roule chez le voisin, c'est pas grave. Je comprends pourquoi le vieux Marcel reste tout seul, vu que c'est des petits champs. Je comprends qu'il a pas besoin d'aide. Sauf en ce moment, vu qu'il est malade. Eh bien voilà. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si cette série vous plaît, si vous voulez que je la continue ou pas. Ça me fera plaisir de le savoir. J'essaye de faire un peu du RP, mais j'avoue que tout seul, c'est pas évident. Et si l'idée vous plaît, dites-le moi, je vais essayer de continuer. Ça fera plaisir d'avoir vos retours. Ça m'empêchera pas de continuer à jouer avec cette carte, vu qu'elle est magnifique. Chapeau à Restricted.
Je vais pas plus vite en faisant marche arrière qu'en faisant demi-tour, alors autant faire marche arrière. Pardon. On est mi-juin, je vais essayer de continuer cette carrière pendant les vacances, sans oublier de continuer mes carrières. Ça fera un peu plus de farming sur ma ferme, sur ma chaîne, pardon. Maintenant, je verrai bien avec le temps comment ça va évoluer. Allez, on va essayer de finir le champ là. Pour aujourd'hui, ce sera bon. Et voilà, encore un champ de fait. On va rentrer à la ferme directement avec. Si la barrière mystérieuse là-devant s'ouvre, parce que des moments elle ne veut pas. L'affichage peut-être. Pas de touche pour l'ouvrir. Je vais descendre à pied, voir. Rien du tout. Rien passe pas à travers. Bizarre. Ça, j'avoue, je ne comprends pas. Le camion, essayer pour voir.
Est-ce que de l'intérieur ça s'ouvre? Oh bon, on passe à travers. À pied, je passe pas à travers. Oh là. Ah ben non, on passe pas à travers. Un petit souci là avec la porte. Il faudra que je regarde là, comme il faut. Que toutes les autres portes s'ouvrent, donc il n'y a pas de raison que celle-là ne s'ouvre pas. Et les autres le font automatiquement en plus. Bon, on va essayer. On verra bien si on décolle ou pas. Croisant les doigts, ça fait pas très réel, mais tant pis, j'ai pas le choix. Ah bah non, ce qui devait arriver, arrivera. Et bien voilà, c'est là-dessus qu'on se quitte, sur ce problème de barrière. Je comprends vraiment pas. Y a rien qui s'affiche. Alors que toutes les autres, vous l'avez vu, elles s'ouvrent automatiquement. Faudrait que je me renseigne là-dessus, c'est pas normal. Allez, sur ce, je vous dis salut, à la prochaine. Et aimez, partagez quand même, j'espère. Malgré ce petit souci. Allez, bye bye. Thank you.